sacré sac à dos de stéréotypes sur la pâtisserie orientale dans lequel on se bat. Donc, c'est trop sucré, c'est trop gras. Tu manges une corne de gazelle, tu peux plus manger pendant 2 jours. Ou c'est trop sec, ou c'est fait sous le coude. Enfin, on entend de tout. Et donc ça, c'est un peu embêtant parce que parfois, ça prive même la personne de déguster. Donc ça, c'est frustrant. Mais une fois qu'on a parlé de la démarche, si les clients viennent ici, ils sont conquis parce que déjà, ils voient tout le travail d'orfèvre qu'il y a derrière. Donc... Hors Ramadan, pour n'importe quel événement, on va avoir des gens qui vont venir donc pour des mariages. On a même eu des gens pour des communions qui sont venus. Donc voilà, donc vraiment on a des gens de tout horizon. Et donc ça c'est plutôt agréable puisque on voit que la pâtisserie plaît. Et surtout, elle n'est pas cantonnée au maghrébin. Ici, j'adore les toutes petites pâtisseries orientales avec un peu beurre salé caramel, vous voyez, avec une petite crème chantilly au-dessus. Ça, c'est vraiment trop, trop bon. Et j'étais venu aussi une fois parce qu'ils étaient dans le top 10, je crois, pour les galettes des rois. Et ils avaient une spécialité, c'était galettes des rois, chocolat, pistache, je crois.